À environ 40 minutes du film, on découvre en même temps que les membres de l'équipage du Prometheus, une fresque gigantesque où l'on peut apercevoir plusieurs personnages se combattant, qui ne sont pas sans rappeler la bataille cosmique entre les dieux et les titans. Ensuite, on peut voir un autre dessin très étrange sur le mur. Sur cette représentation, on devine clairement l'ébauche d'un xénomorphe, alors que celui-ci n'est pas censé avoir encore été conçu. De plus, en bas à droite, on devine l'ébauche d'un facehugger, à moins que ce ne soit celle du trilobite de ce film, précurseur du facehugger. Mais ce n'est pas tout, car on distingue au-dessus de cette créature une autre créature qui semble présenter le xénomorphe comme étant l'une de ses créations. Ceci est très étrange et laisse supposer que les créateurs ou manipulateurs de la matière noire connaissaient à l'avance le résultat final de l'utilisation de cette matière. On notera que cette représentation est très largement inspirée d'une peinture de H.R. Giger. Bien des années après Alien, H.R. Giger reste une source intarissable d'inspiration pour les créatures de l'univers pensées par Ridley Scott. Toujours au même endroit, on peut apercevoir furtivement une grosse pierre verte ressemblant à une énorme émeraude. Déjà interpellé par l'étrange similitude entre les ingénieurs, ceux qui sont destructeurs, et les anges déchus, cette pierre verte m'a immédiatement fait penser à Lucifer. Verte et translucide, l'émeraude est la pierre de la lumière verte, ce qui lui confère à la fois une signification ésotérique et un pouvoir régénérateur. À la fin du 3e siècle après Jésus-Christ, née d'une curieuse légende dans les milieux gnostiques d'Alexandrie, celle de l'émeraude tombée du front de Lucifer lors de la chute de celui-ci dans les abîmes. Cette tradition ne fait pas de Lucifer un archange révolté par orgueil, mais une victime de l'usurpation accomplie par le dieu mâle sur le principe divin féminin que les gnostiques appellent la Pistis Sophia. C'est aussi une référence à une connaissance, gnose, perdue, celle-ci étant symbolisée par l'émeraude qui se trouvait sur le front de Lucifer, le porte-lumière. La création de l'homme est expliquée dans un mythe dit d'Enki et Ninma. Il date du milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ et a probablement été inspiré de l'Atra-Asis. Les dieux, tous nés de la mère primordiale Namu, résident sur Terre, où une première catégorie, les Anunnaki, vit tranquillement alors qu'une seconde, les Ijiji, travaille pour tous. Les seconds commencent à protester. Namu demande à Enki de chercher à créer une créature dont le rôle sera de travailler à la place des dieux secondaires et pour tous les dieux, rendant ainsi leur vie plus facile. Ce dernier ne tarde pas à trouver une idée et dit à sa mère de façonner une créature avec de l'argile puisée à la surface de l'abîme, mélangée au sang d'un dieu sacrifié, dans un moule qu'il confectionne avec l'aide de la déesse Ninma, la parèdre d'Enki, et d'autres divinités pour lui donner ensuite vie. Je vois ici un parallèle étonnant avec la scène du film où l'on voit un ingénieur se sacrifier, ce qui a pour conséquence de mélanger son ADN à d'autres matières vivantes afin de recréer de nouvelles cellules. Cette création, l'homme, trouve un accueil très favorable de la part des dieux, mais Enki, toujours soucieux de parfaire sa création en faisant preuve d'empathie, continua ses recherches afin d'améliorer sa créature, l'être humain. Mais, ce faisant, il rendit l'homme sans doute trop évolué au regard des autres dieux courroucés. Ainsi, commença à germer dans l'esprit d'Enlil, le frère d'Enki, l'idée d'une vengeance sur la race humaine, en commençant par divers cataclysmes, puis le déluge. Cette histoire fait écho à celle de Prométhée, le titan de la mythologie grecque. Dans la version grecque du mythe, Prométhée vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Notons que dans cette version, Zeus remplace Enlil qui, à son tour, planifie un déluge afin d'éliminer la race humaine. A mon avis, la matière qu'ingère cet ingénieur au moment de son sacrifice ressemble à la matière noire que l'on peut voir par la suite, mais ce n'est pas exactement la même. Tel que je l'imagine, cette matière a originellement été créée par le dieu bienfaiteur pour permettre la création de l'homme, mais malgré le sacrifice nécessaire d'un seul dieu, juste pour créer un être plus évolué que les singes, cette matière n'a pas été initialement créée pour détruire.
Cependant, tel que l'évoque le capitaine du vaisseau spatial Prometheus, le lieu découvert sur cette planète inconnue ressemble à un laboratoire où les expériences auraient été destinées à créer une arme de destruction massive. Ainsi, j'imagine sans mal que la classe martiale des ingénieurs aurait récupéré la matière initiale, puis la modifiée, pour finalement créer ce que nous découvrons tout au long du film. J'imagine donc qu'il existe deux catégories d'ingénieurs, les indestructeurs, les autres créateurs. Vous l'aurez compris, dans cette vision des choses, il n'est pas évident de qualifier de diable le dieu créateur des êtres humains, descendu sur Terre pour leur apporter le feu et la connaissance. Il n'est également pas aisé de qualifier le puissant dieu resté au ciel en voulant détruire la race humaine, de bon dieu protecteur. Le feu Prométhée symbolise la connaissance. En effet, le feu a permis à l'homme d'évoluer, ce qui débouchera finalement sur la science. Encore une fois, on peut ici constater les troublantes similitudes entre le feu prométhéen, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Lucifer incita l'être humain à croquer, et la connaissance cachée que le chef des anges déchus, Samyaza, prodigua aux êtres humains en descendant sur Terre. N'oublions pas le dieu Quetzalcoatl, dont la légende est similaire. Ce qu'il faut dire, c'est que la connaissance n'est pas automatiquement synonyme de mal. C'est à l'être humain, censé être libre, d'en faire bon usage. Cela dit, on constate que la dérive destructrice d'une science mal maîtrisée est un thème récurrent des films de science-fiction, reprenant ainsi l'aspect légèrement culpabilisant d'avoir été créé trop intelligent. On notera les parallèles évidents entre Prometheus, 2001 l'Odyssée de l'espace ou encore Terminator. Le monolithe de 2001 l'Odyssée de l'espace jouant le rôle de l'ange ou du dieu civilisateur. Et des androïdes H, David, T-800, T-1000 ou HAL-9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace symbolisent la même chose. Une science trop avancée qui se retourne contre son créateur, l'être humain, tout comme autrefois Prométhée se retourna contre Zeus et Lucifer contre Dieu.